Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec les Hauts-Elfes et Tyrion. Alors ici on en était où? Donc ici on avait déplacé une armée à Elessali, parfait. Oui, parce que pour vous l'épisode, le dernier épisode date d'hier, mais pour moi il date de mardi dernier. Voilà, et on est dimanche, je suis en train d'enregistrer les épisodes, de faire une petite session de quelques épisodes pour cette semaine. Voilà, et donc du coup on va voir où on en était. Donc on avait Tyrion qui était ici, Peinard au pic blanc, d'accord. Donc ouais, je me vois bien le laisser là. Pour le rituel, à moins que je leur descende au repos de Calédor. Ou à Torse et Taille peut-être. Ouais, on va peut-être leur descendre à Torse et Taille. Ou alors ici. Non, Torse et Taille, ça pourrait être pas mal. Quoique j'ai peur qu'ils arrivent quand même aussi d'ici. Et donc ça laisserait quand même. Voilà, parce qu'on va plus tarder à lancer le rituel là. Voilà, par contre j'aimerais bien savoir comment ils sélectionnent les villes, si c'est au pif ou s'ils changent au bout d'un certain nombre de tours, je sais pas du tout. J'aimerais bien comprendre ça. Voilà, donc j'ai bien pris en note tous vos commentaires, je vous remercie pour tous vos commentaires, ça a été une semaine pleine de commentaires. J'ai adoré ça, franchement je vous adore, vous êtes géniaux. Donc j'ai bien pris en compte tous vos commentaires, donc pour la partie Empire Immortel, on fera ça sur des lives. Donc ici, on va retourner vers Nagarond. Est-ce qu'on peut se mettre en marche forcée et arriver jusqu'à Nagarond? Ah, quoique non, il y a la Grande Arène pas loin. On pourrait reprendre la Grande Arène. Voilà. Faire une petite chasse au trésor. Oui, donc pour Empire Immortel, j'avais commencé une petite partie en live. Je vais créer une playlist si certains d'entre vous veulent regarder le live. Enfin, la rediff du live. Je vais créer une playlist Empire Immortel. Où, donc je mettrai cette seule et unique vidéo puisqu'il n'y a eu que celui-ci. La qualité est pas géniale, mais bon, c'est un début. Et cette partie-là, je la continuerai en live sur Twitch dès que ça sera gérable, en fait, dès que ça sera possible. Voilà. Pour les combats, je vais vraiment essayer d'éviter de mettre trop les ralentis. Mais je vous avoue que je galère beaucoup au niveau tactique. Je connais pas bien toutes les forces et les faiblesses des unités, donc je galère beaucoup à ce niveau-là. Donc ça demande beaucoup d'apprentissage, parce que chaque armée qui se présente, à chaque armée c'est des nouvelles unités, enfin à chaque race ces unités, donc c'est assez compliqué, il y a beaucoup d'unités. Je commence à m'habituer, mais j'ai encore pas mal de mal. Je vous remercie pour votre tolérance, c'est vraiment gentil de pas me latter plus là-dessus. Et je vous promets, je vais essayer vraiment de faire des efforts et de m'améliorer, mais je voudrais pas non plus perdre mes combats bêtement, parce que j'aurais laissé en vitesse rapide et que je me serais fait balayer parce que j'aurais très mal géré le combat. Voilà, donc merci pour votre tolérance, c'est vraiment gentil. Alors donc, déranger les morts. En explorant les abords d'une colonie fraîchement en ruine, vous remarquez à l'orée de la ville un petit cimetière isolé. Les tombes semblent remarquablement récentes si l'on considère que le lieu a été abandonné en hâte. Laissez les tombes en paix, fouillez la zone en quête de pistes, fouillez les tombes par magie. Vous pourrez fouiller les tombes par magie. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a dérangé les morts. Votre serviteur détecte une présence magique imperceptible provenant d'une des tombes. Vous exhumez son cadavre et le trouvez cramponné à un objet magique puissant. Épée de puissance, oh oui. Puissance des armes plus 6. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Voilà, et donc du coup, on est obligé de passer le tour. Ok. Ah bah non, je ne peux rien faire.
Ok, lui là-bas il est super loin. Ici on a Karkaldra. On leur a mis. Attention. Voilà. Et on répare. Ok, on répare tout. Voilà. Ok, on va retourner à Ultuan. Je crois que j'avais une armée qui était en recrutement à. Voilà, ici. Ah non, il est presque full, lui. Il lui manquerait plus qu'un. Il ne lui manquerait plus qu'un petit mage ou un maître du savoir. Ouais, pourquoi pas. J'ai tendance à préférer les mages, à vrai dire. On pourrait se prendre un mage de vie, un mage de lumière. Je sais pas. Je sais pas, j'ai plus énormément de. Résistance ultime, 5% pour les phénix. Trouble fête. Puissance des vents de magie. Ennemi, moins 8 régions locales. Ouh, ça c'est bien ça. Voilà. Et. Hop là. T'as des niveaux à prendre. 9 niveaux! Oh la vache! Ah ouais, c'est. Hop là. Hop là. Le filet. L'exorcisme, ça c'est bien contre les contes vampires, mais on n'en a pas trop rencontré, donc on va pas trop s'inquiéter de ça. Ouais, ça c'est un bon boost ça pour nos unités. Lumière de bataille. Indémoralisable. Et une petite évasion. Parce que. Voilà, l'évasion c'est bien. Voilà, donc on a recruté cette armée qui va très probablement rester dans le coin. On a une armée ici sur le. Sur le pourtour, on a ce cher Alastar qui retournait oui on l'a envoyé on l'avait envoyé à l'hôtel de Kane, exact. Donc tu y vas, tu traînes pas. T'es gentil mais non bah du coup arrête-toi à Thoranrok en fait. Voilà. Et puis reste ici. Pour le moment ça sera pas mal. Non, ça c'est l'armée de Silas. Oui, bah si, c'est. Voilà, l'armée de Silas. Donc elle a vol de vie. Ça peut être bien. Aussi. Hop là, donc Tyrion. On avait dit, on ne le déplace pas. Merry, elle a bougé. Silas. Silas. Lui s'apprêtait à attaquer le gouffre de Kragoth. D'accord, ils ont vraiment rien ici. Est-ce qu'on s'est occupé de reprendre quelque chose dans la région? Non, hein. On n'a rien repris dans cette région. Hein. Donc du coup, on va faire ça. Voilà. Donc là, bah, franchement, vu la garnison, voilà. Merci les gars, c'était gentil d'être là. Voilà, et ici, on va raser. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant qu'il a rasé, il ne peut plus bouger, forcément. Par contre, il a pris un niveau. Donc, on va lui donner son niveau. Donc, lui, on lui avait donné attaque éclair. Et on avait dit qu'on allait commencer à lui donner des trucs un petit peu plus mordants, comme par exemple le maître d'épée. Voilà. Ça fait sens pour un prince. Et voilà. Donc il a gagné une arme, lame de morsure. 8% de perforation, pas mal. Ok, il a gagné un barde. Parfait. Parfait. Donc ici, on va reprendre la grande arène.
Et on va se retrancher gentiment. On va voir ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont pas être assez fous pour réattaquer. Quoique Alcaldra, j'ai pas grand chose ici non plus. Alcaldra risque de tomber, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en moque un peu. On s'en moque un peu. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on va se retrancher sur Nagaronde, je pense. Et qu'on va ramener ce monsieur rapidement par ici. L'hôtel ultime des ténèbres. C'est... Ah oui, c'est... Oui, oui, il y a une belle garnison ici. Donc on va peut-être pas s'y arrêter. On passera peut-être par le mont Shrotak, histoire de le raser. Comme ça, en passant. Jusqu'ici en garnison, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et on va donc continuer avec nos seigneurs non déplacés. Donc on avait Ymir. None shall live. Ymir, donc eux, ils étaient en train de faire le siège de ce truc. Est-ce que je veux vraiment continuer à faire ce siège? C'est une bonne question. On va essayer d'assassiner ce gars. D'accord, c'était un échec. Mais c'est pas grave, on a essayé. Lui. Est-ce que tu peux, par exemple... blessé. Succès. Il est blessé. Ça lui apprendra. Voilà, immortalité. Parfait. C'est tout ce que j'attendais avec ce perso-là. ok, et donc eux, ils ont sans doute ce siège. Ça va être encore long parce que les gars, il faut que je vous rapatrie incessamment sous peu. Donc, pourquoi il me dit que... Oui, bon, c'est vrai que j'ai pas mal d'unités bien blessées quand même. On va peut-être laisser tomber ce siège et se barrer d'ici en fait. Pour retourner... pour retourner ici en fait. Puisque si on déclenche le rituel, ça sera la forteresse de l'aube qui sera attaquée. Et j'ai peur qu'il y ait des gens qui pop. Donc je suis en train de me demander si je ne vais pas juste en fait lâcher ce siège et me casser. Parce que c'est vrai qu'attaquer avec des unités en aussi piteux état, c'est peut-être pas le truc le plus intelligent. Voilà, parce que ils sont voilà quoi. Ils sont bien manchés quoi. 22 sur 75, ça fait peur quand même. Hein. Donc je pense qu'on va lever le siège et qu'on va simplement se barrer quoi. Can I offer assistance? On va simplement se barrer. Donc on va se mettre en mode déplacement rapide et on va retourner voilà, avec lui on va faire pareil. Ah les enfoirés, du coup ils m'attaquent. Ah non, voilà, il faut que je lâche le siège d'abord, voilà, que je me mette en mode marche. Voilà. Et que je me barre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Terrier oppressant. C'est à quelqu'un ça? Moving off. Je suis curieux. Hein. Ah non, c'est rien ça. Ok. This bon, is ben, voilà. Madness. Donc. Honor calls. Voilà, tu vas venir là. Et tu vas venir là. Et donc, au prochain tour, vous faites votre vie. Vous revenez ici. Voilà. Parfait. Ça, c'est fait. On va, tant pis, on abandonne ce coin-là. On risque de reperdre le terrier oppressant. Mais bon, c'est pareil, c'est pas... c'est pas bien grave, en plus de ça on risque de leur faire vachement mal s'ils viennent chez nous. Le seul truc qui m'inquiète c'est que j'ai pas de muraille à cet endroit là. Et que du coup il me faudra plusieurs tours avant... ouais. Ah, encore un tour avant un surplus de pop.
donc on pourra augmenter, mais on verra. On verra ce que ça donnera. Qui donc d'autre doit bouger? Serra. Où es-tu, Serra? Ah oui, Serra, c'est... d'accord. Alors toi, tu retires ce mode marche parce que tu n'as plus besoin, parce que tu restes ici. Taïsali, on peut fabriquer des choses. On peut fabriquer ce genre de choses. Oui. Ça nous déverrouille du recrutement, mais ça ne déverrouille pas de... Ouais, mais là, on est déjà boosté à fond, en fait. Et cette province-là, du recrutement, je m'en fous un peu, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt faire des bâtiments... Des bâtiments plus intéressants, qui nous donneraient plus du revenu, ou des choses comme ça, quoi. Non. Non, hein, on a déjà tout fait, ce qui nous ramène du revenu. Parce que bon, ce bâtiment-là, je m'en fous un peu, quoi. Remarquez, je pourrais le démolir et puis faire, faire ça. Voilà, ça augmente les revenus, les chances d'action des héros, les revenus des ports, vu qu'on a un port ici. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Voilà, boum. On détruit ça, ça nous sert à rien, on fera un truc diplomatique ici plutôt, parce que là, je recrute pas ici, je recrute à une province en dessous, je vais pas m'amuser à recruter ici, quoi. Voilà. Niveau diplomatique, est-ce qu'on peut faire des choses avec des gens? Donc toi, yes. Est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu pourrais... Il n'y en a plus après par là. Non, non. Non, bah tu t'attaques à ça, s'il te plaît. Let's hear it. Safri. What business have you with the Asur of Ulthuan? I agree. Ok, parfait, ça progresse. Honored guest, I bid you welcome to the Phoenix Court. Petite alliance militaire. How wise. Ooh. Fellow Asur, I bid you welcome. Une petite confédération. Impossible. Non, ils veulent pas, pas tout de suite, pas encore. Mais, your ça devrait request? Plus trop tarder. Je pense que si on joue bien... Non, non, j'ai pas fini. Si on joue bien notre truc... une petite alliance défensive. Ouais, ils ont accepté, parfait. Ensuite, ça, c'est des armées de transfuges. Il va falloir tuer tous ces gens-là. Tlaka, les ultimes défenseurs, avec eux, on s'entend super bien, c'est trop la fête. C'est trop la fête. On a un accès militaire? Voilà, parfait. Voilà, comme ça tu pourras aller attaquer les Skaven dès que tu voudras. Eux. Est-ce qu'on a des gens avec qui on est en guerre en commun? Ah. Les Pestilence, seulement je sais pas où ils sont. Non. Pourquoi tu fais des trucs pareils? Lord of Bretonia. Les Pestilence, mais les Pestilence, je ne sais pas où ils sont. C'est ça le truc. Je ne sais pas. Ils ont 4 colonies quand même. Hein. Mais je les vois pas sur la carte en fait. J'ai pas envoyé assez d'explorateurs pour explorer. Donc, nos chaînes de bâtiments, qu'est-ce qu'on a? Avalorn. Avalorn, bah c'est pareil, c'est ça, mais ça nous donne pas... Si, ça nous apporte une garnison. Bon, bah si ça nous apporte une garnison, bon, on peut aller. Ici, c'est ça. Ça nous permettrait de recruter des gardes phénix dans le coin. Ce qui pourrait s'avérer plus ou moins utile, ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ma foi. Ensuite, Ashras. On a ce bâtiment-là. Ça nous donne aussi une garnison. Donc allons-y. On a un peu de moyens. Il nous reste 7003. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Ouais, ici, non, on va rien faire. L'inondation noire, on peut faire ça au deuxième niveau. Ça serait bien. Et ici, qu'est-ce que je voulais faire ici? Il n'y avait pas une chaîne de bâtiments spéciale? Non.
Non, bah c'est probablement que je voulais faire ça alors. À moins que je veuille faire du... Non, j'en ai déjà là. Non, on va plutôt faire des tours. Voilà, des tours. Bim. La terre brisée, ici. Bim. Bim. Et forcément, bim. Voilà. Et là, je crois qu'on est un peu fauché là. On a dépensé tous nos sous. Seigneur non déplacé, qui ça? Comment ça, tu n'es pas... Ah oui, non, mais ça, c'est pas grave, ça. Voilà, et non, on va encore attendre un ou deux tours avant de lancer notre rituel. Héros non déplacé. Et on va pouvoir faire la fin du tour. Voilà, allez, c'est parti. Ouh. Alors, l'ordre des maîtres du savoir. Ok, ça bouge. Peut-être qu'il se passe en mode campement. Allez. On se dépêche un peu, les gars. Vous êtes gentils là, mais... Qu'est-ce qu'il nous fait, Exova? Ok, ça serait bien que quelqu'un interrompe leur rituel, ça m'arrangerait. Parce que là, je me vois mal descendre pour interrompre leur rituel. Nagarond, eux, ils attaquent. Encore Marigobourg. Ok, d'accord, ils ont pris Marigobourg. D'accord, on a cette ce truc-là qui nous enquiquine. Violemment, elle vient vers chez nous en plus. Et violemment. Ok, Gond, ils se sont mis en mode... voilà, eux, ils vont très probablement... Non, ils s'approchent, ils se mettent en mode pillage. D'accord, t'as raison. Puis chez moi, je te dirai rien. Fais comme chez toi, la famille, hein? Rotich, qu'est-ce que tu vas nous faire, Rotich? Il va s'attaquer à notre gars? Non, il a été implanté dans une armée. D'accord. Ok, le clan Pestilence. Qui s'attaque à l'hôtel du roi Cornu. Et il a fait un assaut sur la garnison. D'accord. Le Nouveau Monde, est-ce qu'ils vont répondre Non, il fuit. Il fuit. Il fuit, les gars. Les gars, ils s'enfuient. Ok. Ok. Ça prend cher, la bande. Hein. Qu'est-ce que tu veux, un pacte de non-agression? Ouais, si tu veux, ouais, moi j'aime bien les noms. Hein. Choose your words carefully. Moi, j'aurais jamais rasé la barbe d'un homme. Une alliance défensive. Bon, allez, oui. Écoute. On va essayer d'éviter de se mettre mal avec les gens. Ok, lui. Oh, c'est ça. Viens. Oh, voilà. J'attendais que ça, mon gars. Ah non, je peux pas l'attaquer s'il siège pas. Rite de l'éveil accompli. Ah. Cette faction d'hommes lézards a construit une chambre des étoiles et accompli le rite de l'éveil. Un prêtre Mashlan se tient désormais prêt à mener une armée. D'accord. On dévalise Nagarond. Ouais, je suis au courant. On dévalise. Ok, d'accord. Donc tout le monde me dévalise. C'est la fête au village, les gars. C'est juste la fête au village. Faut dire qu'avec tous les revenus que j'ai, je comprends que les gens soient envieux. Bande de fauchés. Punaise, mais toutes ces villes qu'il y a au sud là. Va vraiment falloir
Mais bon, on est déjà en train de le couper en deux quand même. Là. Donc ici. Ici, on peut améliorer ceci, on va le faire. Ici, on peut déplacer ce monsieur, on va le faire. Alors, ce monsieur, on va le déplacer jusqu'ici déjà. Pour commencer. On va voir ce qu'il y a dans le coin. Voilà. Et donc, si je vais par là-bas, je me prends de l'attrition. Donc, on va rester là. On n'en prend pas. On est bien. À moins que je me mette en mode marche. Jusqu'où je peux aller si je me mets en mode marche? Ah, mais en fait, je peux pas aller beaucoup plus loin, quoi. D'accord. Donc, on reste en mode normal. Voilà. Ici, on avait dit... Bon, de toute façon, j'ai pas le mouvement pour l'attaquer. Donc, on va coloniser. Ah, l'erreur, Ben! Ah, punaise! La boulette. We will endure. La boulette, j'avais oublié ça. Oh là là, et puis là, il va leur falloir deux tours avant d'être constitué. Oh, ça va. Ça va nous laisser le temps d'arriver. Caradra, je peux toujours rien fabriquer. Non, non, je peux pas fabriquer de tour de garde. Rien. C'est la misère. Ok. Ici. Toi. T'es comment, toi? Ouais, toi, t'es une bonne grosse armée. Tu devrais pouvoir gérer des attaques. Donc, toi, tu vas te mettre en mode marche. Voilà, et tu vas commencer par venir ici. Ici. Non, il faut déjà que je déplace mes agents. Voilà, donc toi, tu vas orders. Ah. C'est tout. Awaiting orders. Bon, the on vole de la tête. Échec. Standing by. I will dispatch. A resounding success. Hop. Un mec buté. Un. Voilà. J'ai pas d'autres agents dans le coin. J'avais pas un autre agent dans le coin. Ah non, j'avais lui. Oui, exact. Lui qui devait aller dans l'armée de lui, en fait. Ah, mais j'avais déjà recruté un mec. Oh, mais quel boulet. Oh, mais quel boulet! Et je lui avais donné quoi à lui, du coup, en fait? Oh! Oh, le boulet! Ah, mais non, mais il s'est pas intégré! Ok! Ok, ok! Bah, tu le rattrapes! D'accord, c'est parce que je pensais qu'il s'intégrerait à ce tour-ci, en fait, mais non. Et du coup c'est pas bien grave hein. Et du coup on va recruter un nouveau mec, observateur, gain d'expérience de l'unité par tour plus 100. Oh. Ah ouais, il va prendre du level vitesse grand V lui. Fortune, résistance aux projectiles, méthodique, armure plus 20, puissance des armes plus 10. Ouais, j'hésite, hein. Défense en mêlée, plus 3, mais lui, plus 100, ça me plaît bien, ça. Voilà. Et à ce monsieur, donc, on va donner une armée avec des gens comme ça, avec des gens comme ça. Voilà, pour commencer, ça sera bien. On va lui donner... on va lui donner... Alors en fait, avec cette armée-là, j'ai bien envie de faire quelque chose comme ça. Voilà. Avec
Plutôt de ces unités-là. Et ensuite, on va réfléchir. On va lui en donner encore un comme ça, cela dit. Et pourquoi pas deux comme ça. Voilà. Et le reste, on va faire... Avec le reste, on va faire... Alors, soit des chars... Soit de la cave. Soit de la cave et des chars. Et pourquoi pas deux de cave et deux chars. Voilà. Ça serait pas mal. Et en fait, on ne mettrait pas celui-ci. On ferait quand même 4 archers. Parce qu'en fait, ce qu'on ferait, c'est qu'on lui mettrait un mage. Et ça nous fera à nouveau une armée complète. Pour protéger le Tern, donc on en a pour au moins 4 tours. Donc du coup, notre rituel, il est repoussé à dans 4 tours. On est toujours sur la forteresse de l'aube. Parfait, de toute façon, mes troupes ne sont pas encore rentrées. Ouais, c'est ça, elles sont là. Donc toi... Voilà. Toi... Tu viens là. Voilà. Ensuite... Alastar. Donc Alastar, lui... Voilà, il va aller à l'hôtel de Kane. Ça va nous stabiliser un petit peu la situation ici aussi. Voilà, qui a-t-on d'autre qui n'a pas été déplacé? Serra, mais c'est normal. Lawmaster of Hearth. Ah oui, lui, c'est vrai qu'il reste ici pour l'ordre public. Ah mais oui, il a déjà... Il a déjà des levels, ce monsieur. Donc ce monsieur, on va déjà lui donner marcheur, service garanti, discipline de fer, chef de recrue, attaque éclair, présence charismatique, et voilà, on est pas mal. Hop, détail, est-ce qu'on peut lui donner une armure ? On peut lui donner une armure. Est-ce qu'on peut lui donner une épée? Dégâts de perforation, très bien. Ensuite, pierre d'obsidienne. Pourquoi pas? Écoute. Un objet enchanté. Le livre du phénix. Objet de sort, braise de phénix. Waouh. Ça, je le donne à un mémage, ça. Couronne de commandement. Et des bannières, pour l'instant, ils les méritent pas. Voilà, il faudra que tu les gagnes au combat. On te fournit l'équipement de base, mais après, mon gars, faut y aller, Voilà, c'est dit. Ok, bon, bah, je crois que pour ça, on est pas mal. Du coup, on a un petit peu de sous-sous. Avalorn, on était bon. Ah non, Avalorn, on peut améliorer ça. Bah écoute, vas-y. Améliore tout ce qui est mieux, mon gars. Au bois de l'ombre, on peut améliorer les thunes. Voilà. À la terre brisée, on peut améliorer et les thunes. Voilà. Et après, on a tout dépensé. Non, il reste des endroits où on peut... Tiens, allez, Athéine. Oui, on pourrait faire des choses ici, en effet. On pourrait faire des choses ici. On pourrait faire des choses qui rapportent de l'oseille. Bah ouais. Hein. Et puis, on pourrait faire des choses qui... Non, ça, j'en ai déjà fait une. Ça, j'en ai pas besoin. Parce que ça n'apporte pas de garnison. De toute façon, ça déverrouille juste des recrutements.
Comme j'ai dit, hein, moi ce qui peut m'intéresser c'est des bâtiments où, qui apportent de la garnison. Après le reste. Comme ces bâtiments là en fait ça c'est pas des murs. Hein. C'est marqué mur de pierre, mais c'est. Comment dire, ça apporte juste. Voilà, ça améliore les tours. Ça apporte de la garnison. Et ça apporte des capacités d'armée. Voilà. Mais ça n'apporte pas, enfin ça ne renforce pas les murs, ça ne les rend pas plus, plus costaud. Comme je vous dis, ce que ça améliore, c'est les projectiles des tours et la garnison. Voilà, donc du coup, comme on ne sait pas quoi fabriquer, on va pas se fouler. Ici, on va pas se fouler trop non plus. Par contre, ça serait toujours bien d'avoir des thunes en plus. Et en ivresse du sud, on avait dit qu'on ferait ce bâtiment-là. Mais on n'a plus assez de thunes pour ça. Donc les héros non déplacés, points de compétence qu'on a signés. On va signer les points de compétence. Donc on a un petit noblion. Ah ouais, alors lui, il est bourré, lui. Hein. Ok, reconstituer les troupes. Au pire, comme ça, on pourra toujours le coller dans une armée et lui faire faire des choses. Eux, ils ont tous bougé. Hein. Oui, ils ont tous bougé. Voilà, non le rituel, non, on avait dit on attend au moins quelques tours quoi. Voilà, donc oui. Ici hein, ils vont revenir. Ok. Ok, et ben on va finir le tour et mettre fin à l'épisode. On commencera le tour dans le prochain épisode. Voilà, donc et ben on va voir tout de suite ce que vont faire les autres. Tels que les maîtres du savoir. L'ordre des maîtres du savoir. Attention, faut pas oublier l'ordre. Voilà, donc si tu pouvais bouger juste un tout petit chouille plus vite, s'il te plaît, ça m'arrangerait, parce que... T'es gentil, mais tu traînes. Waouh. Faction détruite, la bande du serpent. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Ici, Exalt, bah, j'ai pas l'impression que son rituel ait vraiment été interrompu pour le moment. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour eux, on va dire. Ah, quoi qu'apparemment, ils ont une de leurs villes qui est assiégée. Les ultimes défenseurs, voilà, ils vont enquiquiner ces gars-là. Réussi l'action, voler la technologie. Oh, le petit voleur. Oh, il a préparé une armée, là. Il est parti pour les attaquer, je crois. Oh, un Caragor. Ah non, c'est un sanglier. C'est pas le même univers. Qu'est-ce que tu veux, Nagaronde? Tu veux me donner 3000 pour que je fasse la paix avec toi? Ah oui, ils veulent vraiment la paix, là. Alors, non. Votre mort sera... Oui, si tu le dis. Oh, il s'est mis en colère. Oh, un hôtel de sang. Le clan Morse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter d'attaquer un de mes persos. I am an Aryan reborn. C'était un échec. Qu'est-ce que tu me veux, toi, espèce de petit rat? Tu veux un traité de paix? Non, mais je t'ai déjà dit, mon gars, je ne traite pas avec la vermine. Non mais... What do you wish to discuss? Qu'est-ce qu'il veut lui?
Il veut que je rejoigne la guerre contre les héritiers mourquins. Oui, bah si tu veux, écoute. On va pas briser une alliance pour si peu, attaque-les. Je sais même pas où ils sont ces gens-là. Je me retrouve en guerre avec eux. Ça se trouve, ils sont juste à mes portes. Qu'est-ce qu'ils me veulent, là? Il veut que je rejoigne la guerre. Ah bah ça, je m'en doutais. Non, pas tout de suite. C'était gentil, mais là, pour le moment, je suis déjà en guerre avec plein de gens et tout. Et Nagarond, c'est un sacré morceau. J'aime autant mieux te le dire. Hein. Donc, on verra. Mais pour le moment, non. Même si je t'aime bien, mon gars. On n'est pas encore assez potes pour partager nos guerres. Le laquais du chaos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils attaquent quoi? Non mais c'est pas les laquais du chaos ça. L'insupportable odeur de la vermine empeste cet endroit, monseigneur. Ne risquez pas le sabotage de votre règne. Il va falloir accomplir sacrifice à mettre une garde. Prenez des sur mesures le marché noir sera bientôt un mensonge. Qui se propage parmi vous d'ici. Ok, il a essayé de me blesser, mais ça a été un échec. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ne risquez pas le sabotage de votre règne par les Skaven. Prenez des mesures pour étouffer leur vie de mensonges qui propage parmi vos disciples. Corruption. Ah oui, c'est la corruption, oui. Oui, bah oui, forcément. Vu tous les Skaven qu'il y a, c'est... Mais bon, c'est pour ça que je compte pas non plus me gonfler plus que nécessaire. Donc toi, tu vas... Non, mais moi je veux que t'attaques la colonie. Pourquoi tu veux blesser ce gars-là? Mais... Est-ce que tu peux, s'il te plaît, voler leur technologie? Embuscade découverte. Voler la technologie. Succès. On dévalise. On dévalise. Ok. Lui. Non mais. Ça recommence. Je veux attaquer la colonie. Bon sang. Non, pas Liv. Je m'en fous de Liv. Voilà. Smash it to ruins. Bim, on leur pique de l'enfouement. Tac. Voilà. Et ah oui, non, mon autre, il avait été blessé. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, rang 22. Rang 22. Bim, 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 bim. Ah bah lui, on l'a bien bourré. On l'a bien bourré, le hommage. Hein. Du coup, il a gagné le droit à un coursier, dis donc. Voilà. Et toi, derrière? I await your command. Niveau 23. T'as pas immortalité. Oh, je leur ai pas donné immortalité. Oh là là, quel fou. Standing by. Quel fou, quel fou. Ok, seigneur non déplacé. Et j'avais dit que je mettrais fin à l'épisode, donc on va s'arrêter là. Voilà. Donc vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dès demain pour la suite de nos aventures.